Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer le riz aux champignons, une recette rapide et délicieuse. Pour cette recette, il nous faut 150 g de riz rincé, trempé dans 30 cl d'eau pendant une heure. 125 g de champignons de Paris coupés en quatre. Un oignon coupé en dés. De bonnes pincées de garam masala, une demi-cuillère à café de curry, une demi-cuillère à café de graines de cumin, un petit bout de gingembre et deux gousses d'ail pilées, une demi-cuillère à café de concentré de tomate, quelques feuilles de coriandre fraîche. Il nous faut également de l'eau, de l'huile et du sel. Je chauffe un peu d'huile dans une poêle. Quand l'huile est chaude, j'ajoute le cumin, l'oignon, quand les oignons sont roussis, j'ajoute les champignons, je les laisse cuire 2 à 3 minutes tout en les mélangeant. J'ajoute l'ail et le gingembre, le curry, le garam masala, le concentré de tomate. J'ajoute 5 cl d'eau chaude. Je les laisse cuire 2 à 3 minutes. J'ajoute le riz avec l'eau. J'ajoute le sel. Je le laisse cuire à feu doux. Quand presque toute l'eau est évaporée, je le couvre et je le laisse cuire. Je les ai laissés cuire 10 minutes à feu doux. J'ajoute la coriandre fraîche. J'arrête la cuisson. Je le couvre et je le laisse reposer 10 minutes avant de servir. Bon appétit!